Per la notte o una notte? Una notte. Il est 8h30 et donc bah voilà un parking gardé à Palerme avec un coin réservé au camping-car et une aire de service où j'ai passé la nuit en sortant du ferry. Alors je dois avouer que c'est vrai que la réputation des Siciliens pour la conduite, c'est pas facile. Mais on va vite s'habituer. J'ai passé une très bonne nuit, j'ai dû m'endormir vers 9h30 parce qu'avec la nuit précédente sur le ferry, c'était pas terrible. Donc voilà, donc il est 8h30 et je vais partir à pied à la découverte de la ville puisque ce parking est situé pas loin du centre. Et je reviendrai cet après-midi pour vers 15h30 pour faire les services et m'éloigner un peu du centre-ville. Alors le parking est situé un peu plus haut là-bas sur la droite. J'ai qu'à descendre cette rue pour arriver directement dans le centre. Vraiment dans le cœur de Palerme. Nous sommes quand même le 23 février. Pendant qu'il y en a qui sont au ski, moi je suis ici en Sicile, à Palerme. Il fait beau, pas encore très chaud, mais dans la journée 15-16 degrés sans problème. Premier monument à visiter, la cathédrale. Le monument à voir numéro 1, c'est le palais royal, ou aussi palais des Normands, qui est l'assemblée de. Où siège l'Assemblée de la région de Sicile. Le palais est derrière moi, donc c'est le palais royal ou le palais des Normands avec pas mal de choses à visiter à l'intérieur. Donc également le siège du Parlement de Sicile, je ne sais pas comment on appelle ça. Et comme partout, comme c'était le cas à Florence ou à Pise, vous avez le palais ici, un endroit pour entrer, vous avez l'entrée. Et puis les billets, on les achète ailleurs. Et là, c'est dans le petit, au milieu du parc, un kiosque. Donc j'ai acheté billet 15,50 € pour visiter plusieurs choses à l'intérieur. Pour entrer, c'était un peu bizarre parce que c'est un bâtiment politique, contrôle température, passage au rayon X comme à l'aéroport, ensuite passage à travers un portique qui m'envoyait je sais pas quoi pour me désinfecter au cas où. Première cour du palais avec exposition de chiens, de statues de chiens. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Ben voilà, au premier étage, la chapelle palatine, les mosaïques en or. Toutes les mosaïques sont en or. Continue la visite. Un arbre royal. Je rappelle, nous sommes en février. Et pendant que certains se gèlent, les oranges, je ne sais pas si on peut les manger. Okay, il y en a partout par terre. Encore un arbre. Exotique. Vue sur le palais avec ses différents styles, ce qui a été construit plusieurs fois à diverses époques. C'est interdit de prendre des photos ou de filmer, mais vu qu'il n'y a personne. 3e siècle avant Jésus-Christ. On a vu la chapelle palatine, les jardins royaux. Malheureusement, cette partie des appartements royaux sont fermés. Ma visite du palais royal ou palais des Normands est terminée. C'était assez court, malheureusement, les appartements royaux étaient fermés. Je pense qu'à Palerme, on peut passer une journée, voire deux journées. On a fait le tour des monuments et des musées. Donc encore un monument sur la liste de l'UNESCO.
me voilà sur le site de cette église arabo-normande, comme ils disent ici. Là encore, évidemment, je porte masque parce que l'entrée du site, pas de l'église, mais du site est payante pour prendre un billet. Et évidemment, et il faut montrer leur passe vert. Franchement, j'adore cet endroit. C'est vraiment, il y a très peu de monde. On remonte un peu dans le temps à différentes époques et de styles mélangés. C'est vraiment un charme unique. Et encore la visite du marché. Juste pour l'ambiance. Des spécialités très locales. J'imagine que c'est une école derrière avec son petit terrain de foot. Strip art local. Alors maintenant, nous allons regarder ce problème d'eau qui s'accumulait ici. Et depuis que j'ai quitté les Alpes italiennes, il n'y a plus rien. Plus aucune. Donc, c'était pas une fuite. Vous avez vu que dans la boîte où l'eau s'était accumulée quand j'ai traversé les Alpes, ben, il n'y a plus rien depuis que j'ai quitté les Alpes italiennes. C'est sec. Donc je suis rassuré parce que j'ai peur que ce soit une fuite. Maintenant j'utilise l'eau tout à fait normalement. J'ai tout remis progressivement en route, l'eau froide. Après j'ai enlevé mes cuvettes, l'eau coule dans le réservoir d'eau usée. J'ai remis l'eau chaude et vraiment plus une goutte. Donc c'était vraiment ce que je soupçonnais, un problème de condensation, puisque j'avais remarqué justement quand j'étais au col à Brenner. Il y avait une quantité énorme d'eau le matin quand je me suis réveillé sur le pare-brise. Donc c'était bien ça. Je pense qu'il n'y a pas de solution quand l'air est humide en plein hiver avec la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Mais au moins, me voilà rassuré, il n'y a pas de fuite d'eau. J'ai pris un peu de hauteur sur Palerme. Je suis dans la banlieue de Palerme. Mont Reale, le Mont du Roi, le Mont Royal, où il y a l'autre cathédrale absolument ne pas manquer. Voilà encore le mélange des genres. Me voilà dans cette très belle cathédrale de Mont Reale. Vraiment magnifique ici. Les orgues de chaque côté en fait. J'aimerais bien les entendre. Un concert d'orgue ici. C'est vraiment super ici. Très belle cathédrale. Pour l'église qui est là-haut quand même, non, j'ai pas le courage. Je sais pas d'ailleurs comment on y va. Parce que j'ai vu ici, ça va s'y faire. Alors il y avait plein de belles choses à voir à Palerme.
J'en ai déjà pris plein les yeux. Maintenant, je vais changer complètement de décor. Ça, on est en plein milieu d'après-midi. Mais je vais me diriger vers une réserve naturelle. Je suis un peu inquiet parce que je vais tenter le coup de me garer sur le parking de cette réserve. C'est un parking payant. Normalement, c'est un parking de jour, on n'a pas le droit de rester la nuit. Mais les derniers avis sur Park4Night, les derniers commentaires disent qu'on tolère pour la nuit hors saison. Nous sommes donc fin février. Donc je vais tenter le coup. Le dernier commentaire date de début février. Et après un moment, les gardiens du parking ont dit qu'il était possible, lorsqu'on arrive plus tard dans l'après-midi, hors saison, de rester. Alors que pendant la saison, eh bien évidemment, il est interdit d'y rester pour la nuit. Donc je vais tenter le coup, me garer directement là-bas, parce que je crois que ça doit être une soixantaine de kilomètres, 60 km de Palerme, direction nord. Sinon, eh bien, bon, bah, j'ai un plan B, mais ça va me faire pas mal de kilomètres en plus de retour. Mais j'ai envie de trouver un coin en pleine nature, un coin tranquille en pleine nature. Et demain, ça sera randonnée dans la réserve naturelle.